chers amis, merci d'être venus si nombreux. Merci de cette chaleur que n'expriment bien que ceux qui connaissent la valeur de l'amitié et l'importance de la sincérité, parce que la dureté de la vie leur a enseigné qu'on ne fait jamais rien de grand si on est seul. Le temps est venu de bâtir ensemble. Sans l'euro, il n'y a pas d'Europe. Et sans l'Europe, il n'y a pas de paix et pas de prospérité possible. L'euro est notre monnaie. L'euro implique la solidarité. Il ne peut pas y avoir de doute sur l'expression de cette solidarité. Je ne suis pas venu vous dire que l'avenir c'était dans les grandes villes, que l'avenir est de l'autre côté de la frontière, que l'avenir est en Inde, que l'avenir est en Chine, que l'avenir est en Amérique, parce que dire cela c'est le renoncement et c'est la démission, et moi je veux la volonté et je veux la ténacité au service de la France dans laquelle je crois toujours. Vous n'êtes pas mort pour rien. Car vous vous êtes sacrifié pour une grande cause. Vous avez défendu les plus belles valeurs de notre pays. Ce que nous préconisons, c'est de foncer, c'est de faire à marche forcée des conventions, des réunions thématiques, de faire énormément de propositions, et que tout cela, à la fin de l'année, ça devienne un projet pour la France. C'est à Nicolas Sarkozy de décider du chemin à prendre. Il n'y a pour moi ce soir qu'une seule victoire, celle de la démocratie, celle des valeurs qui nous unissent, celle de l'idéal qui nous rassemble. La France, c'est d'abord une magnifique histoire. Nous allons écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Cette page de notre histoire, mes chers compatriotes, je suis sûr qu'elle sera grande, qu'elle sera belle. Et du fond du cœur, je veux vous le dire, avec la sincérité la plus totale qui est la mienne en ce moment où je vous parle, vive la République et vive la France.